Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser ce building, cette tour moderne sur Minecraft. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tour, hein, de grand building comme ça. Et du coup j'ai trouvé un petit design sympa que j'ai réalisé avec vous d'ailleurs sur le live Twitch, sur un live Twitch, hein, donc j'ai repris les lives aussi, n'hésitez pas à aller voir ça. Je mettrai le lien dans le premier commentaire ou dans la description pour les lives. Bref, voilà à quoi ça ressemble, notre petit building. On avait fait d'autres tutos aussi sur des maisons comme celle-ci là par exemple, ou sur les autres maisons que vous avez là-bas en plus grand. Et sur ce, pour commencer notre construction, eh bien je vais vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin. Hop, ici. Hop, ah non, c'est pas ça, voilà. Voilà donc pour les blocs, on va tout de suite aller sur le plot qu'il y a derrière. Ah, j'aime pas d'ailleurs combien il y a d'étages. Rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 étages. Quand même un petit building sympathique. Alors, j'ai mis ici le patron des... pour avoir un... la forme globale de la tour. Donc au niveau du sol, on va d'abord faire un rectangle ici comme ça, que l'on va faire en roche lisse. Vous pouvez utiliser les dalles de roche lisse pour utiliser moins de ressources. Et donc on va d'abord faire un rectangle, on va le faire ensemble, hein, n'est-ce pas? Donc entre ce bloc là, donc on venait vraiment au niveau du coin en bas à gauche de notre édifice, de là jusqu'à de là, on a 20 blocs, on fait une ligne de 20 blocs de roche. Puis entre là et là, on a 12 blocs. Entre ici et ici, on a 9 blocs. Ici, on va mettre un carré en argile qui va nous servir pour donc la tour ici, hein, la partie en argile, qui va nous servir d'escalier pour la tour. Donc je vous invite à mettre votre bloc d'argile ici comme ça. Hein. Sur le dessus, on va mettre un autre bloc d'argile, puis une... Ah tiens, j'ai loupé ma hache magique qui a disparu. Une ligne ici de là à là de 5 blocs d'argile, puis de là à là 5 blocs, et puis voilà 5 blocs ici aussi, puis ici aussi, n'est-ce pas? Une fois que vous avez ça de l'autre côté, entre là et là, et là on a 6 blocs de roche lisse, puis entre là et là, normalement vous en avez 12. Ok, une fois qu'on a notre surface ici comme ça, on va remplir, on va enlever toute l'herbe déjà. Alors, on va enlever toute l'herbe, d'accord? Et on va remplir le trou avec des blocs de roche lisses comme ça. Ok? Et hop! Ok, donc une fois qu'on a notre petite surface ici comme ça, on va mettre les formes de la structure blanche du coup ici. Oui, donc toute la grande structure blanche comme ça, hein. C'est donc avec des blocs de béton blanc que l'on va faire ça. Ok, donc on va prendre le coin ici, hein, l'un des coins d'ailleurs, hein, de votre surface en roche lisse. On va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs. 5 blocs de hauteur, on met notre premier bloc ici sur le coin. Et puis on va faire une ligne comme ça sur toute la longueur, l'op de là jusque là, de 20 blocs, hein, comme en dessous, hein, on est pile poil au-dessus de notre surface du dessous. Et pareil, hein, sur cette longueur-là, on va faire 12 blocs, comme en dessous, voilà, pareil, en dessous. Hop, ici par contre, vous voyez sur l'arrière, on va faire une ligne de béton comme en dessous, sauf que on va laisser la place là où il va y avoir la tour en argile. Ok, et de l'autre côté pareil, on va faire une ligne de 6 blocs, hein, comme en dessous pareil, voilà, là vous voyez, tuc tuc, donc la même chose. Ok, une fois que vous avez cette première base, pour reprendre ce bloc ici, on va aller en hauteur faire une arête, donc entre là et là on a 22 blocs de hauteur, ok. La même chose sur le coin d'à côté ici, d'accord. Puis on les relie tous les deux, hein, entre, on a 12 blocs au total normalement, voilà.
Très bien. Alors, sur le côté, hop, entre là et là, on a 10 blocs. Donc, on est bien en façade hein, du bâtiment. Donc, 10 blocs jusqu'ici. On met un autre bloc par devant. Puis, en vrai, on va sur le côté. Et entre ce bloc-là et ici, on a 7 blocs. Puis, entre là et là, on en a 4. Puis, entre là et là, on en a 5. En fait, c'est juste l'espace qu'il faut pour laisser passer la tour en argile. Et puis, entre là et là, normalement, vous en avez 6. Ok. Une fois qu'on a ça, en fait, on va venir prendre notre coin à ce niveau-là. D'accord? Ici. Pouf! On va descendre. Mais pas tout jusqu'en bas. Hein. On va descendre jusque-là. Donc, ça nous fait 14 blocs en total entre le haut ici et là. Ok. Et puis, entre là... Et hop, sur le côté ici, vous avez 11 blocs. Normalement, vous êtes pile au-dessus du coin en dessous ici. On relie les deux, hein, et normalement, entre là et là, vous avez 9 blocs. Et normalement, vous avez toute cette forme-là, hein, normalement. Ok, sur le côté droit, ici, pardon, je confonds ma gauche et ma droite. Hein, faut... Mais normalement, ici, voilà, sur le côté droit, hop, normalement, vous avez fait ça déjà. Donc, sur le coin ici, vous faites... une ligne droite jusqu'en haut de 9 blocs et vous reliez avec le coin d'à côté ici. Sur l'arrière, pour l'instant, on ne va rien mettre puisque on va faire une grande tour en argile. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va venir prendre de l'argile, hop, ici comme ça, et on va venir, hop, faire des carrés tout simplement au-dessus des formes qu'on avait déjà mis dans le sol tout à l'heure. Et on va faire en fait cette forme là, cette forme de carré, on va la prolonger en hauteur sur 49 blocs de hauteur. D'accord? Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49. Ok, donc voilà, toutes les autres, voilà, tout le carré d'argile ici, on va le monter en hauteur jusque là. Allez hop! Et hop! Voilà ce que ça donne. Ok. Alors, on va, au niveau du toit ici, du dessus, on va remplir les choses comme ça. On va faire un carré ici sur le côté, le coin. Et on va laisser comme ça parce que va y avoir la partie en bleu, hein, en vert bleu ici, qui va venir. Ok. Alors, sur le côté ici, à l'arrière de la partie en argile, hein, à l'arrière du bâtiment, on va prendre ce bloc-là. Vous voyez, on va compter le coin ici sur le bloc du côté. Et on va compter 1, 2, 3 blocs. Troisième bloc, on fait un trou. Et on va faire 2, 3, 4, 5 blocs de trous ici comme ça. Et on va mettre une fenêtre en vitre blanche. Tac, 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 d'accord. Incroyable, sublime, magnifique. Oui, je sais, c'est normal. C'est moi qui ai fait. Donc, en dessous, on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs de mur. Puis après, en dessous, on va refaire une ligne de 1, 2, 3, 4, 5 blocs de vitre blanche. Et on va faire ça ainsi de suite jusqu'en bas. Donc avec 5 blocs de vitre, tous les 4 blocs de mur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ok, etc, etc. 1, 2, 3, 4, 5, ok, et puis on s'arrêtera là puisqu'on n'aura pas la place en dessous après. Hop, et puis, voilà, ok. Et eh ben c'est pas mal ça. Donc une fois qu'on a notre tour en argile, on va pouvoir finir notre partie en blanc, n'est-ce pas? Donc on va prendre notre coin ici à ce niveau-là, le béton blanc, on va venir le prolonger sur le côté, comme de l'autre côté, hein. Hop, jusqu'à toucher la partie en argile ici comme ça. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir remplir les surfaces, donc ici sur l'arrière, ici là, là, sur le dessus... ainsi que sur toute la façade à l'avant, ainsi qu'en dessous, on va pouvoir tout remplir. C'est-à-dire qu'on va remplir vraiment les surfaces ici en dessous. D'accord? Donc tout à cette hauteur-là. Hein. Hop. Ici, sur toute la façade. D'accord? Donc toute cette surface ici. Je fais un deuxième rappel. Ici, on laissera ouvert. Hop. Ici, sur l'arrière, on va combler complètement. D'accord? La même chose de l'autre côté ici aussi. N'est-ce pas? Hop, d'accord, donc tout ça, hein, tout ça, j'espère que c'est clair, et du coup, au-dessus, on ne le fera pas, on va mettre une surface en herbe au-dessus, hop, ici comme ça, vous voyez,
Voilà. Donc, eh ben, allez, il n'y a plus qu'à, hein. Hop. Et hop. Alors, voilà ce à quoi ça ressemble. C'est pas tout à fait fini, mais au moins ça commence à prendre un petit peu forme. Alors, ici, hop, aussi, on va mettre des. Hop, des. Une surface, en fait, au niveau de chaque étage. Alors, pour vous montrer. On va avoir comme ça des balcons qui vont ressortir de la façade ici sur le côté. D'accord? On va les faire ressortir de deux blocs à chaque fois. Et on va faire des étages de trois blocs à chaque fois. Hop, ici, comme on a déjà notre niveau, on va dire, avec le haut de la partie en blanc, on va faire ici notre premier étage, mais on va faire les autres aussi, vous inquiétez pas. Hop, tac-tac. Hop, ici, comme ça, hein, on les fait. Voilà, on fait voilà, dépasser l'intérieur en gros de la tour vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait prolonger un étage tout simplement. Voilà, je trouve mes mots maintenant. Ok, au niveau de cet étage ici, c'est le premier étage en fait. On va laisser 1, 2, 3 blocs de hauteur sous plafond et au quatrième bloc, on va mettre un étage ici comme ça. On va faire la même chose qu'au-dessus, n'est-ce pas? Donc en laissant dépasser un deux blocs du hop de la partie de la paroi en fait, tac tac comme ça du mur. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. De l'autre côté ici, 1, 2, tac 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 tac. Hop hop. Et vous voyez toute la surface ici, on va la remplir en blocs de béton. Voilà. Ok, pour l'instant, on a mis en place nos deux premiers étages. Après, ça sera la même chose, hein, sauf que on va compter à chaque fois 1, 2, 3, 4 blocs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, ici comme ça. En fait, sur le dernier, on ne le fera pas, tout simplement. Puis voilà. Et on les fera dépasser de deux blocs à chaque fois, hein, du mur. Tac, tac. Hop, tac, tac. Alors, le seul truc, c'est que sur cette partie-là à droite, on ne va rien faire dépasser du tout, puisqu'il va y avoir la partie bleue, la partie en vert bleu qui va monter tout ici. Donc pour l'instant, on ne fait pas les étages de ce côté-là, hein. On peut les faire de l'autre côté comme je viens de faire, pour l'instant, pour délimiter. Mais on va pas faire le reste des étages ici, on va faire la partie en bleu plutôt. Ok, comme ça sera plus simple. Pour ça, on va prendre vraiment le sol de notre tour ici. Ok, on va prendre nos blocs de vert bleu, n'est-ce pas? Magnifique. On va venir sur le coin ici à droite et on va mettre un bloc sur la diagonale à ce niveau-là. Ça va être notre premier bloc de vert bleu. On va en mettre trois ici comme ça. D'accord? Une ouverture de deux blocs pour la porte. Et puis on remet une ligne ici de six blocs de vert bleu. Puis après, on prend de là jusqu'à là 7 blocs et vous arrivez en plein milieu de notre partie en argile. Youp, on revient ici et entre là et là, on a 10 blocs. Et pareil, sur le côté, 3 blocs ici comme ça. 2 blocs d'ouverture et 3 blocs jusqu'à la partie en argile ici comme ça. Et là, ça va être vraiment le pattern de notre partie de la tour en vert bleu. Qui va après se prolonger sur plein 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 de blocs de haut de manière. Je ne sais pas, j'ai pas du tout de qualificatif pour pour dire ça. Alors, l'idée c'est que, comme vous voyez ce que je fais, on va remplir hop, toute la surface ici en vert bleu et on va monter tout notre pattern au sol jusqu'au plafond. Hop, le temps que je dise ça, c'est déjà fini. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, tant qu'on y est, on va faire la même chose au niveau du dessus, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre exactement les mêmes repères. Vous allez prendre ici votre repère du coin de votre partie en blanc, hein, on est vraiment sur cette partie-là. Et puis sur le côté, on va mettre notre premier, en diagonale, notre premier bloc ici, comme ça. Et puis entre là et là, on a 9 blocs, hein, on s'arrête lorsqu'on est en diagonale du bord de notre mur ici. Hop, puis entre là et là, vous avez 10 blocs, normal comme en dessous. Puis entre là et là, 8 blocs,
jusqu'à la partie en argile. Et on monte ça jusqu'à... On monte cette forme-là jusqu'à, bah, jusqu'au sommet, hein, jusqu'à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on aura atteint cette hauteur, du coup, avec, avec le sol en herbe, eh bien, on va pouvoir prolonger tout simplement notre forme en vert bleu. Hop, je me mets au-dessus. Est-ce que là, je suis au-dessus? J'ai dépassé. Hop. Hop. Voilà. Hop, ok. Donc, on prolonge ici comme ça, et puis on vient après sur le côté pour relier la partie en argile, et ça sera cette, ce pattern-là que l'on prolongera tout jusqu'au dessus de notre partie en argile, d'accord? Donc pour l'instant, cette partie-là, on la prolonge tout jusqu'ici, n'est-ce pas? Allez, hop! Hop! Voilà pour notre première partie de tour. Du coup, notre deuxième pattern, hein, celui ici, eh bien, lui, on va le monter tout jusqu'au-dessus de la partie en argile, n'est-ce pas? Donc, tout jusque ici. Ok, allez, tac, tac, tac et tac. On le monte jusque-là. Ok. Et donc, une fois que l'on a ça, eh bien, on va faire la dernière partie de la tour en complétant complètement notre carré. Hop, ici, comme ça, vous voyez, donc ça épouse complètement les formes de la partie en argile qu'on avait fait juste avant. Hop, et on va faire une tour supplémentaire. Hop, tac, tac. Comme ça, hein, pour avoir vraiment la forme complète. Puis, on va monter cette forme-là à 10 blocs de hauteur. Donc là, on a déjà notre premier bloc. Puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Ok. Et à cette hauteur-là, on va avoir la même forme qu'en dessous, bien sûr. Un peu si tant est que je fasse pas n'importe quoi. Un peu, c'est bon. Hop, voilà. Hop, voilà. Et jusque-là. Donc il va falloir combler la dernière partie de la tour, hein, du coup, ici. Sauf que le dessus, le toit de la tour, eh bien, on va complètement le combler en bloc bleu. Évidemment, toute la surface en vert bleu. Bon, allez, je le fais rapidement parce que c'est vraiment pas long. Hop. Hop. N'est-ce pas? Voilà. Et puis, bah, maintenant, plus qu'à combler tout ça. Hein. Allez, hop. Et hop. Voilà ce que ça donne, et on commence à avoir l'architecture globale de la tour, hein, se faire. C'est pas mal. Alors, une fois que on est en haut, hein, on va rester en haut pour l'instant, et sur le coin ici de notre partie en argile, on va mettre une antenne. Hop. Alors normalement, dans la logique des choses, l'antenne, il aurait fallu la mettre sur le toit, sauf que j'avais envie de garder une forme complètement vitrée. Voilà, c'est juste esthétique, hein, donc je mets l'antenne, hop, sur le côté, ici, comme ça, toute simple, avec des murs de pierre, des murets en pierre des abîmes et quelques barres de fer au-dessus. Sur la partie qu'on avait ouvert ici, en argile, on va faire des choses comme ça, voilà. Ok. Alors, maintenant, il nous faut faire, eh bien, les étages, quand même, parce que c'est vrai que ça, on les a pas fait. Hop, je vais faire quelque chose d'assez rapide avant. Vous voyez, ici, ce sont des escaliers en pierre noire que l'on a mis un peu dans cette forme-là pour faire des supports à la tour, finalement. Vous voyez? Et je trouve ça plutôt stylé, donc, bien, allez, let's go, hein. On va prendre des escaliers en pierre noire, du coup. On va venir ici, en dessous, dans le préau. On va partir du coin ici comme ça, on va partir d'un bloc sur le côté et on va mettre notre premier bloc à l'envers, d'escalier à l'envers, et puis on va les mettre comme ça, paf, vous voyez, à l'envers comme ça, en descente, en escalier. Puis la même chose de l'autre côté, tac tac, et puis tac tac. Vous voyez, on fait un truc un peu comme ça. Et puis maintenant, on met des escaliers à l'endroit de l'autre côté pour pouvoir faire joli. Et on va faire la même chose de l'autre côté, hein, rapidement. Hop, ici on part du coin, on se décale d'un bloc et puis on refait ça comme ça. Tac, tac, hop, tac, 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 tac,
Tac, tac, tac, tac, tac. Voilà, et puis on se colle à la partie en argile. Paf, 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 et puis c'est bon. Ok, maintenant, on va mettre des décorations sur la partie en blanc ici, comme ça. C'est vrai que je savais pas trop quoi en faire de cette partie blanche, donc du coup, j'ai utilisé des dalles de quartz lisse, et on va les mettre comme ça en ligne sur la surface, sur la façade. On fera la même chose de l'autre côté, hein. Paf, comme ça. Donc, on fait des grandes lignes comme ça. Et on va les espacer tous de un bloc. Comme ça, hein, vous voyez, donc on va faire des lignes comme ça. Hop, en laissant juste un bloc de chaque côté et en remplissant tout le centre. Hop, et à chaque fois, on va laisser deux demi-blocs d'espace entre chaque. Ça peut être un bloc ou deux demi-blocs, vous voyez. Et on va laisser, hop, un espace comme ça à chaque fois. Entre les lignes de quartz, vous voyez. Tac, 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 tac. Hop, ici comme ça. Vous voyez l'idée, et après on les prolonge tout sur la longueur et appuie tout sur le dessus aussi. Hein. Donc dans l'idée, ça va faire quelque chose comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, et puis c'est bon. Et puis voilà, vous les prolongez de votre côté et il faudra les faire à l'arrière du bâtiment aussi. Hein. Vous voyez ici, je les ai fait à l'arrière, puis ça rend plutôt bien. Ici, il y a un petit problème d'ailleurs, je crois que j'ai fait un... Hop, il y a un souci. Bref, on va utiliser maintenant les blocs de béton gris, ici comme ça, de béton gris clair. Et on va venir remplir toute la façade ici sur le côté. Ok, donc on va prendre la façade d'un bloc à l'intérieur ici, vous voyez. Et tout ça, tout sur la longueur, hop, comme ça, on va remplir. Et ce, on va remplir chaque étage jusque, bah, jusqu'au toit, jusque ce qu'on puisse plus. Hop, ici comme ça, hein, tac, tac, tac. Hop. Voilà, etc., etc. sur chaque étage. Ok, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va remplir les étages, n'est-ce pas, hein, puisque c'est vrai que les balcons, ici, on les a pas fait. Hop, on va les faire rapidement, ici, comme ça, hein, n'est-ce pas. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir remplir, enfin on va pouvoir faire l'espace pour les portes déjà, pour donner accès à tous les balcons. Donc ici sur le côté, hein, on va laisser juste un trou comme ça de 4 blocs, 2 blocs par 2 blocs, sur chaque balcon pour donner accès au balcon tout simplement. Au premier étage, du coup, il n'y a pas de balcon, donc on va juste laisser une vitre de 2 blocs de 2 blocs tout simplement. Ok. Et puis au-dessus, ça va être pareil, on va toujours laisser des vitres comme ça de 2 blocs à chaque fois. Ok. Et puis, alors ici, on avait rempli la surface du... Ah, c'est rigolo quand même, n'empêche, comme cavité quand on est à l'intérieur. Quand il n'y a pas les étages et qu'on voit tout. Alors, ici, on va laisser 1, 2, 3 et 4, hop, bloc, hop, comme ça. Donc, voilà, à partir de là, on a encore 2 étages à faire qui vont remplir toute la surface ici. Hop, et hop. Ok, donc, une fois qu'on a nos étages ici comme ça, alors... On va faire les étages du dessus encore pour tout remplir la tour ici comme ça. Et pareil, on les fera tous les 3 blocs. Sauf ici. Hop, donc là, il y a 4 blocs de hauteur sur cet étage là. Donc bah, on remplit jusqu'à 4 blocs de hauteur. Hein. Ça pose pas de problème. Hop, ici comme ça. Et pour tous les autres, eh bien, on va faire tous les 3 blocs. Hein, vous avez compris l'idée, hein, une surface de béton et puis c'est tout. On laisse 3 blocs de hauteur par étage et puis au 4e bloc, on fait l'étage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et le dernier, on va laisser 4 blocs de hauteur aussi parce que c'est plus stylé. Ok, bon bah, let's go, hein, on a tout plein d'étages à faire, allez hop. Hop, ok, donc ici on est vraiment au dernier étage, et on commence à nous voir une belle vue, mine de rien.
Sauf que, eh bien, un problème, il n'y a pas d'escalier pour pouvoir atteindre cette hauteur-là. Ah! Donc, on va faire un escalier ici comme ça. Et en fait, le tout dernier étage de cette maison sera un triplex. Ou un du... un... Oui, un triplex, c'est ça. Hop! Et on va mettre des escaliers ici, comme ça. Alors, on va les décaler même d'un bloc encore. Tac, 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 tac. Ok. Ici comme ça, hein, on aura accès à la partie du dessus. On va laisser deux blocs ici sur le côté et deux blocs par devant pour pouvoir faire en creusant tout sur le côté ici, hein, pour faire un escalier, voilà. Je trouve plus mes mots. L'étage du dessous, ça va être pareil. Hop. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. On va utiliser des dalles de quartz. Ou... Ok. Paf, paf. Paf, paf. Voilà, on s'en sort, n'est-ce pas? Youp. Pour avoir un escalier qui monte dans les trois étages du triplex du dessus. Bref, ici, du coup, on a juste accès à la partie ici, qui finalement est une partie en... Enfin, qui est la cage d'escalier. Et donc, du coup, bah, vous voyez que, il manque l'escalier dans notre cage d'escalier. Donc, du coup, on va faire une ouverture ici pour pouvoir atteindre le rez-de-chaussée. Voilà, n'est-ce pas? Magnifique, surprenant, incroyable. Et on va faire une ouverture comme ça, tant qu'à faire. Et à partir de là, on va faire, hop, des escaliers de cette manière. Paf, paf, vous voyez, paf, 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 paf. Et on arrive directement à niveau de notre étage. Hein. Youp, du dessus. Non, c'est bon, voilà, on peut ouvrir complètement. Youp. Alors oui, alors tiens d'ailleurs, moi je regarde ça comme si c'était rien du tout, mais il y a un mur à mettre ici. J'ai oublié le mur à mettre là, donc on va utiliser le béton gris clair, n'est-ce pas? Et on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. On va mettre une ligne ici de béton à un bloc à l'intérieur du bâtiment et on va faire un grand mur. Hop, à partir de là, on va creuser des fenêtres, paf paf, et on mettra des vitres dedans, hein, n'est-ce pas? Forcément. Touc. Vire, j'ai mis vire, du coup forcément ça marche pas. Vie, vie, vitre, voilà, vitre. Très bien. Paf, 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 paf. Puis voilà. La même chose de l'autre côté d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas mis de vitre de l'autre côté. Hop. De ce côté-là, du coup, on va mettre des vitres là où il faut. Hop. Ici aussi. Et on va aussi mettre des vitres en tant que barrière pour pas tomber de là du balcon. Tac tac, vous voyez comme ça. Youp. Hop, et on va faire ça à chaque balcon, hein, comme ça au moins. Hop. Et on fera la même chose évidemment de l'autre côté du bâtiment, hein. Ici, il faudra mettre des portes de ce que vous voulez, de chêne, d'acacia. Hop. De porte en fer aussi, pourquoi pas, même d'ailleurs, hein. Et n'est-ce pas, voilà. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut remplir bah, tous les... Non, pas les étages, on a fait ça. La cage d'escalier, voilà. La cage d'escalier ici. Vous voyez, on fait des marches pour rejoindre chaque étage comme ça. Paf. Après, ça va dépendre, hop, à chaque étage. Il faut que ça tombe pile poil, en fait. Donc, hop. Normalement, si vous faites cette architecture-là, hein, vraiment, un escalier, une dalle, un escalier, une dalle, un escalier, une dalle, normalement, vous tombez juste à chaque fois, hein, vous voyez, paf, on en tombe juste directement aussi. Ici, c'est pas très très joli, vous voyez, puisque vous avez une connexion de texture entre le béton blanc, l'argile et le quartz. Donc, du coup, on peut enlever ici le bloc d'argile
et mettre du béton blanc à la place, comme ça vous avez un petit peu moins de connexion de texture. Ça fait blanc sur blanc, c'est un peu plus doux à l'œil. Et donc on peut enlever voilà, tous ces blocs d'argile ici sur toute la longueur en final. Hop, touche qu'en haut. Hein. Et on va combler tout cela par, par des blocs de d'argile. Hein. Youp. Etc, etc, vous avez compris l'idée. On met un escalier, une dalle ici comme ça sur la même hauteur. Et puis un escalier, une dalle, etc, etc. Et on monte comme ça petit à petit sur tous les étages. Tac. Et ce, tout jusqu'en haut. Et alors peut-être pour ceux qui auraient des questions, lorsqu'on passe devant les vitres, c'est pas du tout un problème. Hein. Ici vous voyez, on a mis une dalle devant une vitre, et puis ben ça ne se relie pas, ni rien du tout. Du coup, ben ce n'est pas un souci. Ok, eh bien on fait ça. Hop. Et hop. Alors, voilà ce que ça donne, hein, l'escalier. Pouf, j'enlève le machin. Youp. Ah, j'ai oublié des morceaux. Est-ce que j'ai oublié des morceaux? Oui, j'ai oublié des morceaux, tiens. Voilà, normalement, j'ai plus oublié rien du tout. Vous voyez, ça fait un effet bizarre hein, quand même, l'escalier en colimaçon comme ça. You, pouf. Alors, une fois qu'on a ça, on va peut-être mettre un escalier ici, d'ailleurs, en dessous. Et ici, vous voyez, on a encore de l'herbe. Eh bien, c'est bien. On va garder l'herbe, finalement, même à l'intérieur du bâtiment. Oui, carrément. On va utiliser des lanternes aquatiques, histoire de donner un petit peu de lumière. Paf, sous l'escalier ici, comme ça. Et ici, on va rajouter quelques blocs de fleurs, parce que c'est joli, on a envie, voilà, on met deux rosiers, parce que, hein, voilà, et puis, des marguerites, paf, voilà, c'est joli, et puis voilà. Alors, on va aussi utiliser les lanternes aquatiques, hop, tac, tac, paf, paf, sous les... bloc de l'entrée ici comme ça du rez-de-chaussée ici pareil sur les coins ici vous voyez tac tac paf sous les blocs de coins paf pour mettre un petit peu de lumière finalement sous notre tour en tout cas sur notre rez-de-chaussée ici comme ça. À la limite, à ce niveau-là, ça pourrait servir de garage. On met une voiture ici, pourquoi pas. Alors, une seule voiture pour tout le bâtiment, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais peut-être un garage à vélo. C'est vrai que les vélos sur Minecraft, ça serait compliqué à faire. Ma foi, soyez créatifs. Moi, j'ai rien mis sur mon modèle ici. Hop, vous voyez, on peut rajouter des portes en chaîne ici comme ça hein, sur le bord. Alors ce qu'on peut rajouter ici du coup sur notre bâtiment c'est hop tout simplement des fleurs des hautes herbes et tout ça sur et un arbre sur la partie où il y a de la verdure ici sur le toit hein, donc on peut utiliser de la poudre d'os n'est-ce pas. Alors si je la retrouve voilà poudre d'os paf pouf pif puf et hop on a un joli jardin. Alors on va utiliser quand même une pousse de chêne pour faire un chêne hein. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus écolo d'un seul coup même si c'est assez gadget mais ça marche quand même pas mal. Puis on va utiliser aussi des feuilles, alors des feuilles de la marque que vous voulez, des palétuviers à cajou, chêne noir, tout ce que tu voules, et on va les mettre ici sur la ligne à côté de notre bâtiment, hop comme ça, tac. Est-ce que c'est pas joli ça? On peut même les faire de 3 blocs de haut. Ah comme j'ai fait là-bas. Hein. Et voilà ce que ça donne lorsque c'est terminé. Voilà, voilà. C'était un petit building mine de rien, hein. Assez facile à faire dans vu que la forme est assez simple. Hein, on va pas se mentir. Mais c'est cool, il est assez sympa, je trouve. Sur ce,
J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve sur Twitch. Je vais aussi ouvrir un Instagram. Donc, le temps que cette vidéo soit en ligne, je pense que je l'aurai fait. Donc, tout ça sera dans la description. Donc, le Twitch, l'Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, sur toutes ces chaînes et à la chaîne YouTube aussi, bien sûr. Et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être cette maison-là. Peut-être, je ne sais pas. Je suis en train de la faire, la fignoler, tout ça. Elle n'est pas finie, de toute façon. Ça sera peut-être une autre. On verra, peut-être on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent, matelot. Et à la prochaine.